Oh là 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 là. Ah, faut pas provoquer l'homme quand le lion dort. Faut pas le provoquer. Je répète que quand le lion est couché, pas le provoquer. Attends, il a bien calé ma chose. Il a dit mes quatre vérités avant de continuer de parler. Voilà. Tous ceux qui mettent les têtes de mort, que Dieu maudit vos vies. Voilà. Venez mettre tête de mort encore sur ma publication. Attends, bien m'asseoir même ici, même pour regarder les gens droit dans les yeux même. Voilà. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les partages, je ne vois pas les cœurs. Il dit, partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. C'est le chef gang qui parle. Répartagez la vidéo. Vous n'avez pas besoin de partager. Pourquoi les gens ont commencé à chauffer mon cœur? Voilà. Voilà. Commencez à partager vidéo là. J'entends des petits. Petits, je vais venir s'asseoir. Il dit, je ne vois pas assez de cœur. D'abord, que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu vous élève. Que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il fasse de vous la tête et jamais la queue. Oui! Que Dieu vous amène dans une dimension de gloire en ce jour. Je m'appelle Camille Makoso. Voilà. Papa n'a 35 ans. Je m'appelle Camille Makoso. Je suis Camille Makoso. J'ai posté une vidéo tout à l'heure. Non, faut laisser affaire de demain là. Faut qu'elle fasse un petit règlement de compte avant que demain arrive. Voilà. Tout à l'heure, je dois traiter des affaires. Là, on vient de finir 3 jours de jeûne. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont jeûné. Je viens de finir de poster une vidéo tout à l'heure où j'annonce que demain, à partir de 20h à heure de Paris, à Abidjan, 21h heure de Paris, je serai en direct. Sur le dossier Emmanuel Keïta et Peter 007, on m'envoie des commentaires. Makoso, tu avais dit que désormais tu n'es plus dans le clash. Ton mot dit à ça, là, c'est clash. Tes chansons dans un clash, on va venir faire un décryptage. Un débriefing. On va expliquer le pourquoi de comment. Toi, derrière ton cœur, te fait mal. Oh non, Makoso, tu avais dit que tu n'es plus dans le clash. Je suis en clash avec qui? On dit Peter est en clash avec Emmanuel Keïta. Le glorieux mariage pour lequel je devais aller en culotte. Le mariage de la gloire. D'où il y a une limousine qui est sortie. Une bague de plus de 2000 euros. Toutes les femmes célibataires en Russie ont commencé à avoir mal au cœur. Emma Loesma a commencé à avoir mal au cœur. Elle s'est dit, Manou va se marier. On vient nous apprendre que le mariage n'a plus lieu. Et puis on doit se taire. On ne peut pas se taire. Ce qui a été annoncé sur Facebook là. Ça va être réglé sur Facebook. Nous on est assis. C'est les mêmes qui viennent nous annoncer qu'ils se sont entendus pour dire on se sépare. Peter vient dire, j'étais à l'enfer. Mais il faut que Peter vienne nous expliquer. L'enfer était constitué de quoi? Qui était le diable à l'enfer? L'enfer, il a vécu quoi là-bas? Peter doit nous expliquer. Manuel qui est devenu dire pourquoi tous les garçons qui sont en contact avec elle, ils sont... Il a expliqué ça. Non, il y a une affaire comme ça, dit Marcos, on ne parle pas. Est-ce qu'il y a eu affaire? On dit qu'il y a une affaire comme ça, Makoso n'a pas parlé. C'est qu'il n'y a pas eu affaire. Maintenant, dans l'affaire là, quels sont les enseignements pour les filles? C'est ce que Makoso avait ressorti. Tous les abrutis, les pauvres, les enfants 2 à 5 francs, les filles qui ont été mourues dans le couloir des psychologies, chacune s'élève. Ah non, j'ai dit, j'ai fait plus clash. Les bad boys, je ne suis plus dedans. Mais les dossiers, c'est pour moi. C'est moi qui traite les dossiers. C'est moi, il gère les dossiers. Oui. Mais dans le style de respect, toujours dans le style, Kaima Koso. Il a dit, je n'insulte plus. Voilà. Quand il dit ton Modia, Modia, c'est pas un jeu. Depuis quand Modia, c'est un jeu. Modia, c'est pas un jeu. Je vais expliquer l'affaire. Parce qu'il y a cette vérité qu'on vous a cachée dans cette affaire. Je vois Peter qui vient s'asseoir, c'est jouer les victimes. Comme moi, je n'ai jamais exposé une femme. Peter. C'est lundi. Champion, faut te préparer. Il dit, c'est vous deux. Il dit, il y a vous marié en bris. Mais pas encore compris. Hein. Mariage là, ça aura lieu. Il dit,
vous allez continuer de vous mougou et vous allez vous marier en bri. C'est moi qui dis ça. Et Maria Keita, ton modia. Toi, tu ne m'as pas encore sur le ciel, toi. Peter, ton modia. Toi, tu vivais à l'enfer, le ciel, vous deux. Non, on a si tranquillement d'un gourmet. Et Créole dit non, que désormais elle est libre. Créole, comme tu dis que tu es libre, moi, je te donne ta liberté. Voilà. Voilà. Et un peu tout qui n'a jamais été mougou. En ce moment, madame dit non, ici libre. Moi, je te donne ta liberté. Moi aussi, je suis un homme libre. Voilà. Manuel Keita. Peter est parti. Papa Marcos est là. Hein? Même en rêve. Manu, on dit qu'il y a quelque chose qui te suit. Peter dit que tu es malade. Le lundi à partir de 20h, je vais te soigner. Manuel Keita, il dit, est-ce que vous connaissez quand il dit Marcos monte une poussée? Partagez la vidéo. Il dit tous les commentaires, ils viennent de balayer. Mettez les cœurs. Un dossier aussi important. Le dossier de la fin de la vie. Marcos n'aura pas parlé dans ça. Ah! Mon maudia. Partagez la vidéo à 5000 personnes. J'ai cassé un petit papot. À 5000 personnes, je vais casser un petit papot. Partagez la vidéo. Mettez les cœurs partagés. Mettez les cœurs partagés la vidéo. Là, mon styliste vient de m'amener mes tenues là. Pour la convention de Paris. Quand je vois des gens qui sont jaouli, j'ai vu hier Aya Robert faire sa vidéo. Je suis assis, je regarde. J'ai vu Bob Lee faire sa vidéo. Je suis assis, je regarde. J'ai vu tous les cyber activistes. Tout le monde parle. Et puis Makoso ne doit pas parler. Vous êtes mauvais. Non, toi, il faut rester dans Alléluia. Amen. Il dit, je suis papa dans influencé. Quand il y a un grand dossier, c'est ça, moi, il peint. Ce sont des petits buzz, tel à Mougoutan. Il paraît que la RTI, toi, a amené femmes et garçons sur le plateau. Ça, c'est pour les enfants, ça, c'est les petites bêches. Mais on dit Peter 007. Et le juge, ils sont fiancés là. C'est de qui on s'est moqué? C'est de Makoso. Oh, les aigris. Oh, le mariage de la gloire. La écalante. Il dit, le lundi, là, il y a où Pancon? Il dit, il y a où tamisé comme ça? Il dit, il y a fait comme Zoko. Tous les démons d'Abobo sont revenus comme ça, moi. Attends, tu bouges encore. Makoso parle. Le mariage de la gloire. Il dit, mariage, ça aura lieu. Mettez la carte, partagez la vidéo. Mariage, ça va avoir lieu en. Il dit, en bille même. Ah! Donc, la limousine, c'est mort comme ça. Yeah! Mariage, ça n'aura plus lieu. Le mariage de la gloire. Où toute la écalante devait se déplacer, les mêmes de la écalante qui disaient hier, yeah, le bon de la gloire, ce sont les mêmes écalantes qui disent, le puissant de la gloire. Adam, on peut avoir deux bouches comme ça, toi-même, faut voir. Marcos a pris le dossier, préparez-vous, ça sera pas bon, parce que quand Camille Marcos parle, il met des vidéos en illustration, il a fait sortir les vidéos. Je vous dis pourquoi le mariage ne devait jamais avoir lieu. Je vais casser. C'est ce qu'on dit. Makoso casse les. Écrivez-vous tous. Makoso casse les papos. Ça sera pas du tout bon. Laissez-moi casser les papos. Écrivez mon général, casse les papos. Écrivez-moi ça. Facebook va se casser ce lundi là. Celui qui a raté ce direct, il est maudit. Écrivez mon général, casse les papos. On ne faut pas parler de n'importe qui. On dit Emmanuel Keita. Hey, son nom fait donner ton vue. Actuellement, Bob lui fait les 5000 vues. Je ne donne pas à travers les gens.
la ligue des blogueurs influenceurs. C'était l'enfer de la gloire. Yeah! Mais les gens sont dangereux sur Facebook, hein? Manuel Keita, je me rappelle le jour-là, comment Peter 007 s'est mis à genoux. Non, attendez, regardez un peu la vidéo encore. Y'a regardant que je ne crois pas. Non, petit ami. Quand il y a Annie et Sorcier, Annie et Sorcier, partagez la vidéo là. Hein? Partagez la vidéo là. Annie. Vraiment, Peter. Quelqu'un même son nom fait Peter 007. Agent 007, un agent double. Ouais, Peter Agni, là, c'est un esprit. Ouais. Ouais. La vidéo de la gloire. Il y a une limousine. C'est là que je me rappelle que Peter a failli tomber. Pour ceux qui se rappellent de la vidéo là. Quand Peter, Manel Keita, descendait les escaliers là. Peter a failli tomber. C'est maintenant que je comprends pourquoi. Je vous avais dit, hein. Quand l'affaire a commencé là, j'ai dit, les gars, nous on est des marmailleurs. Un marmailleur s'assoit, il observe avec l'œil de la marmaille. J'ai senti que cette affaire n'y a nulle part. Je vous ai dit, je me demandais pardon. Et maintenant, Keita, pardon. Peter, là, ce n'est qu'à ton terminus, à ton âge. Vous m'avez pas écouté. Comme Makoso, vous êtes des aigris, vous êtes des jaloux. Ouais. Non, l'homme n'est rien. Ouais. Peter dit qu'il était malheureux. Il dit qu'il allait reprendre la bague. Tu Annie. Annie est méchant. Annie a repris la bague. Quand il y a Annie à quand il y a Annie à bas, Annie est méchant. En quoi Annie? Il y a la bague. Avec le petit guide moqueur, il allait soulever sa bague tranquillement. 2400 euros, ça c'est le salaire de 3 mois. Mon Dieu, où est-ce que tu es? Eh Manu, Manu, oh Manu, Manu vient, pardon, et quand vient, le petit n'y allait reprendre sa bague. Et puis il est le maintenant vraiment. Ah, ah Seigneur, vraiment l'homme n'est rien. La maman de. Seigneur, est-ce qu'on va s'en sortir? J'ai vu le gars là à genoux et ses petits pieds de Lucky Luke là. Quand j'ai vu ses petits pieds de Lucky Luke, il dit, est-ce que ce monsieur là, il sait où il s'en va même là? J'ai failli prier pour lui, il dit, est-ce que monsieur qui est là, est-ce qu'il sait où il s'en va, Peter là? Est-ce qu'il sait où il s'en va là-bas là? J'ai dit, assis à terre, je regarde. Il dit, Annie se met à genoux. Seigneur, je vais mourir aujourd'hui. Aidez-moi. Sauvez-moi. Je vais mourir. Je vais mourir. Nyawo. Nyakabuo. Nyambawo. Nyambayo. Nyambao. Nyebe. Yeah. Ah. Donc, affaire là, c'est comme ça. Mes amis, pour nous qui sommes célibataires, nous les célibataires,
soyons heureux. On s'est moqué de nous. Oh, les femmes qui ne se marient pas, la bague de la gloire. Dans le petit Agnès là, il a donné la bague et puis la répit. Non, non, regarde, non, c'est Emmanuel qui est aussi qui a tué. Non, Emmanuel qui est aussi qui a tué. Elle a la forme de ça. La forme de ça. Et dit, elle est en train de dire en même temps à l'autre, comment elle s'appelle, c'est que c'est Mario Cameroun. Oh, Coco Emilia, tu as eu ton mariage et ton milliardaire. Je vais te montrer aussi Coco Emilia, si tu m'appelles mariage. Regarde comment elle s'est calée. Manu, il y a la forme de ça. Et oui, Saint-Hugues a bien plaqué comme ça. Le moutou est sorti. Regarde comment elle fait. Elle se joue aussi les surprises. Oh, Peter. Oh là là, Peter. Oh mon Dieu, Peter. Oh, Peter, Peter. Et il y a le petit agneau aussi. Le gars, il a pris. Le gars aussi, là, il s'est mis à genoux. Un bandit d'abobo. Il veut se jouer les romantiques. L'autre, ses pieds de Lucky Luke. La chaussure de la gloire. Sortant de l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie. Le veston froissé. Et là, le gars, il s'est mis à genoux. Regarde. Manu, veux-tu m'épouser? Manu aussi, regarde. Oui, Peter, je vais t'épouser. 4 mois plus tard. Ton maudit. 4 mois plus tard. Ton maudit. Toi, c'est ton maudit. Venez, venez. Je vous dis la vérité. J'étais à l'enfer. Je souffrais. Manu s'est dit, non, d'un commun accord, nous avons. Tout ça. Pour ça. Non. Lundi, là, non. Non, je ne peux pas laisser ça. Mes amis, aidez-moi. Ma console ne peut pas laisser. Yedi, je vais casser les popos. Et non, non, ce sera les popotés, là. Tout ça. Pour ça. Est-ce que vous me connaissez? Je vous ai prévenu. Vous allez vous marier en Yedi. Mariage, ça va bien. Vous allez vous marier par contrainte. À cause de la honte, vous allez vous marier par contrainte. Donc tout ça, pour ça, vous n'avez même pas testé 4 mois. Vous n'avez même pas essayé. Oh, boulou, j'ai rencontré l'amour de ma vie, les hommes. Peter, toi aujourd'hui, tu dis que tu étais à l'enfer. Peter, tu vas venir nous expliquer ce que tu disais dans certaines de tes vidéos. C'est ma console qui fait le son. Oui. Ah, je ne peux pas laisser ça. Mes amis, aidez-moi. Comprenez-moi. Soutenez-moi. Je ne peux pas laisser ça. Toi. Attends. C'est la Libye. On est assis par terre. Il y a quelqu'un qui a préparé sa tenue. Il y a Manu. Non, il m'a dit qu'il était une maman. Il y a comment s'arrêter. Comme si elle ne savait pas. Il dit, ma console, tu fais peur à mon fils. Les gars, quelqu'un dit quoi? Non, moi, il y a qui est pire, c'est ça. Avant où tu commences à parler, ça fait 4000 vues. Aïe. Bon, vous connaissez que demain, là, c'est 40 ans. Il a dit, demain, il a cassé les papous. Puis il y a le dossier. Voici le dossier qui est là. Je vous montre le dossier. Le dossier d'après. Voici le dossier. Séparation. Emmanuel, moi, il est papa, ça, là, il est en train de parler comme ça. Là, il est en train de parler. Là, il est en train de parler. C'est pas direct. Les gens, ils parlent, moi, ils parlent. Je suis le meilleur influenceur de ma génération. Il n'y a pas l'homme, il n'y a pas de. Je suis plus dans le clash. Tout le monde parle. Et puis, Camille Makoso fait sortir le dossier. Voilà. Allons doucement. Voilà le dossier, hein. C'est d'après. Quand vous voyez qu'il y a même point vert, là, c'est vidéo preuve. Partout, il y a point vert, c'est vidéo. Voilà. Ici, là, c'est vidéo. Le dossier est d'après. À mon ancien cul, j'ai vu des gens faire des vidéos pour dire non, Emmanuel Keïta. Non, il a dit, il a parlé. Mais quand ma console dit, Alléluia, on est 600. Quand ma console dit, il y a bœuf, on est 4000. Donc, les gars, il a panaché les dés comme il est toujours fait. Mais, je n'en plus dans les injures. Je ne suis plus dans les histoires de tel à parler de moi, je viens lui répondre, c'est fini ça. Voilà. Je ne suis plus dans les bad buzz. Il faut comprendre les choses. Lorsqu'il y a une actualité, et que dans cette actualité, je peux faire ressortir la vérité, et je peux faire ressortir un enseignement, j'en parle.
Je ne parle pas pour parler, moi je ne viens pas parler pour dénigrer. Je viens parler pour faire ressortir un enseignement fort et dangereux. Marius. Marius. Quand tout est prêt, tu me dis, hein, moi c'est toi, j'attends. Pardon? Tout est prêt? Tu as testé les micros, tout est prêt? Ok, j'arrive. Voilà. Là, il y a une maman qu'on doit changer sa vie. Une femme qui vivait dans des conditions très précaires. L'émission va sortir logiquement le mercredi ou le jeudi. Donc, on va enregistrer avec elle. Là, j'ai déjà préparé son budget financier pour l'aider à pouvoir réaliser son projet, son rêve. C'est une maman qui souffre tellement. Une maman qui vivait dans des conditions pas possibles et autres. Donc, chaque mois, nous avons l'émission qu'on appelle « Ma vie a changé ». Donc, j'ai décidé de changer sa vie. Nous avons déjà changé sa maison. Nous avons déjà tout changé. Maintenant, aujourd'hui, je dois la recevoir pour lui donner son fonds de commerce parce qu'elle avait dit qu'elle voulait quelque chose pour faire un commerce. Donc, on va lui faire aujourd'hui la surprise en lui donnant le fonds de commerce et puis en prenant tous ses enfants en charge parce qu'elle a une fille qui passe le BTS et elle ne sait même pas que je vais la prendre en charge. Donc, on va prendre sur les gérer ça. Donc, les gars, quelqu'un dit quoi? Pasteur, tu étais à l'église? Non, non. Il était dans le gros cul de ton père. C'est là-bas qu'il était. Et puis, il n'y a plus le Saint-Esprit, sortir tous les cacas qui sont là-bas, mettre ça dans ta bouche. Voilà. Moi, mon église, c'est ici. C'est mon WhatsApp. Répondre à 3000 personnes par jour. Voilà. Maintenant, là, église, là, on fait ça demain. À 20h. Il dit, ça s'est cassé. Il dit, ça va se casser. Ah! Emmanuel Keita et Peter 007 ne sont plus fiancés. Ils se sont séparés. Après 4 mois de relation, Peter, le même qui a exposé la femme de Chamberlain, vient nous dire que lui n'a jamais exposé femme. Dossier n'a pas ça, nous. Ma cousine va faire. Il dit, ce qui est bon dans la vie là, c'est que ma cousine trouve l'esprit de la marmaille. Les gars de Peter sont dans mon téléphone depuis hier. Non, ma cousine, tu sais que c'est notre gars. La fille, elle n'est pas bien. Les cas de Manuel Keita sont dans mon téléphone. Non, voici ce que Peter a fait. Et dit, moi là, il n'est pas quand. Il est venu dire la vérité. Puisque Emmanuel Keita dit qu'elle ne nous connaît pas. Donc, ma cousine ne va pas défendre Emmanuel Keita. Puisque Peter dit que lui va me tuer un jour. Donc, il n'est pas défendre Peter. Donc, il y a deux adversaires qu'il a récupérés. Et puis, elle fait la sauce propre. Sans parti pris. Mais je viendrai dire la vérité. Rien que la vérité, peut-être que le président d'honneur de tous les blogueurs et influenceurs du monde entier, il doit casser les papous. Voilà. Dernière information. Quelqu'un dit encore merci, mon général. Ouais, c'est ça, ça c'est ma vie. Aider les gens, c'est ma vie. Aider les gens, c'est ma vie. Voilà. La femme qui est venue, viens dire encore, ma cousine était dans quel état? Dans le cul de ton père. Mon église, là, c'est le cul de ton père. Le gros cul de ton père, rempli de poils. Là. C'est là-bas qu'il fait mon église. Les enfants et les femmes mal élevées là. Ne venez pas sur ma maison sur moi. Hein. Voilà, j'ai dit ne clash plus, mais tiens, venez t'amuser, essayez de te donner l'heure. La seule chose que les gens m'ont reproché, c'est deux choses. Avoir répondu à mon petit et avoir dévoilé les conversations avec la petite bite bleue. J'ai dit ça, là, je ne fais plus. Mais à part ça, là, on aime ma cause tel que je suis. Voilà. Je vais casser les papos. Affaire là, j'ai dit, Peter, ils vont se marier de gré ou de force. Mettez le cœur, partagez la vidéo. Maintenant. Il y a des personnes qui me suivent. Vous dites que Makoso n'est pas homme de Dieu. Ce n'est pas grave. Je vous mets au défi. Amenez-moi maintenant un message sur mon WhatsApp que je vous donne. 00337. Non, plutôt 00225. 07. 48. 79. 85. 85. Je vous mets au défi. Moi, je ne parle pas. Je change la vie des gens. Regardez. Moi, tu parles pas. Hein. Tu vas vous montrer quelque chose. Je vais le voir à la maman. Je vais vous montrer quelque chose. Tout est prêt? Maman. Abou Baoulé. D'accord. Voici la maman. On attaque ma connexion. J'étais là-bas tout à l'heure. On attaque ma connexion. J'étais avec la maman. Dossier Peter Ekala, ça chauffe-toi ton cœur. Non, Yéli. Je ne peux pas laisser ça. Qui est? Elle fait doux comme ça. Puis moi, il allait pour ma retraite. Le Congo, ça de ça. Le goût des chats, Makoso, papa n'a cassément des papos, va laisser dossier ça là. Non, moi désormais, tout ce qui est buzz, je ne parle plus. Je ne parle! Mais je ne fais plus clash. Et les bad buzz, je ne suis pas dedans.
Mais donc, ça dit, fallait pour pas, je parlerai. Parce que je suis, en fait, je suis le meilleur. Vous comprenez, je suis le meilleur. Les autres parleront, ils ne peuvent pas rentrer dans des profondeurs dans lesquelles Makoso entre. Voilà. Makoso lui rentre dans le dossier. Il fait sortir le dossier. Il apporte des preuves. Il retourne dans le passé. Il amène des pièces à conviction. Et quand il finit, on dit yes, inspecteur Colombo. Il a montré à Peter 007 qu'il est un petit. Il a montré Emmanuel Keita qu'il est petit dans le game. C'est papa Namakoso 35 ans. Demain, là, chargez votre téléphone. Il a vous montré le visage de l'homme qui a rasé Peter 007. Peter, là, l'homme qui vient de le raser, l'homme qui a pris Emmanuel Keita, il a vous montré son visage. La femme chez qui Peter était. Et puis, il faisait la vidéo, là. Il a vous montré aussi sa photo. Demain, là, soyez prêts. Ça va se casser. Donc, tout à l'heure, je serai avec la maman. Nous allons commencer l'émission. Et puis l'émission vous sera présentée dans les jours qui viennent. Je rappelle mon numéro de téléphone WhatsApp 00225 07 48 79 85 85. Si vous ne m'avez jamais contacté, amenez-moi simplement un message pour dire mon général, je veux ma prière. Vous allez voir. Mon église, c'est ça. C'est mon WhatsApp. Parce que je dois prier. Mon frère, 72 heures après, tu as un témoignage. Dieu m'a donné l'argent. Ma conso prie pour toi. L'argent va te localiser. Si vous vivez en France, vous êtes sauvé. Le général a un cadeau pour vous. Si vous êtes en France, écrivez-moi sur mon WhatsApp 00225 07 09 50 93 59. Dites mon général, je veux mon cadeau. Pour tous ceux qui sont au niveau de la France, je précise 00225 07 09 50 93 59. Pour ceux qui sont en France, qui disent qu'ils veulent leur cadeau. Maintenant, pour ceux qui veulent la prière, c'est le 00225 07 48 79 85 85. Que Dieu vous bénisse. Shalom.